Louange à Allah, Seigneur de l'univers, paix et bénédiction sur la plus belle des créatures. Le guide par excellence, le sceau des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs dans la Iman, c'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus ce vendredi dans le cadre de votre émission hebdomadaire La Voix de l'Islam, diffusée tous les vendredis lorsqu'il est 21h et relayée sur notre page officielle Facebook DBS officiel. Pourquoi est-ce que le musulman n'a pas le droit de manger la viande du porc? Il ne doit même pas y songer. On parlera de ce thème avec lui, c'est Mohammed, Imam Mohammed Goubang. On prend la transition, on se retrouve juste après. Très souvent, dans la plupart des produits que nous consommons, peut-être les pâtes dentifrices ou encore les rouges à lèvres pour les dames, nous oublions parfois que le porc peut faire partie de la composition de tous ces aliments. On le saura avec lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, bienvenue sur la voie de l'Islam, Imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa salam ala rasulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, chers téléspectateurs. Vous allez bien? Alhamdulillah. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Bonne année 1442. Nous sommes bien sûr le premier Muharram de l'année égérien 1442. Merci beaucoup et à vous autant. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette année de plus? De savoir que je me suis rapproché davantage de ma tombe. Donc il faut que je redouble les efforts pour essayer de m'approcher à mon Créateur. Pour vous, c'est une fierté? Disons que c'est déjà un remerciement de m'avoir laissé autant d'arriver jusqu'à là, mais aussi une réalisation que je suis encore plus proche à la tombe qu'avant. Donc il faut redoubler les efforts. Ce n'est pas le moment de faire la fête. Ouais. D'accord, c'est pas le moment de la fête, de faire la fête, bien sûr. Nous sommes dans la nouvelle année islamique, hein, pour ceux-là qui ne le savaient pas. Nous sommes bien sûr le premier Muharram qui correspond au 20 août, l'an de grâce 2020. On va prendre la sourate qui nous permet d'entrer dans le vif du sujet. On se retrouve juste après. ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا Élément sélectionné par le frère Abdou Ngoma de retour dans ce studio pour entrer dans le vif du sujet qui est bien sûr la consommation, le musulman et la consommation du porc. Imam, c'est quoi le porc islamiquement parlant? Bon, alhamdulillah, le porc, c'est cet animal avec bien sûr un nom scientifique déterminé, mais qu'on appelle en français de tous les jours le cochon. C'est cet animal-là. Il y a beaucoup de sous-espèces. D'autres sont de très grande taille, d'autres sont de tout petite taille, mais qui ont les mêmes caractéristiques, la même physionomie et la même apparence, et les mêmes habitudes, le même grognement et tout. Ça ne se trompe pas. Non. Bon, il y a peut-être un animal sauvage qui ressemble un peu au porc qu'on appelle phagochère. Qui est à peu près comme le porc sauvage. Mais nous allons voir pourquoi il y a le lien, une similarité entre le phagochère et le porc moderne au cours de l'émission, Inch'Allah. D'accord. Imam, le porc contient des protéines et d'autres. Pourquoi est interdit la consommation du porc? Ah, alhamdulillah, je vous remercie beaucoup, ma fille, parce que nous avons dépassé l'âge à laquelle on peut s'attendre à ce qu'on va seulement dire aux gens que bon, Dieu a interdit le porc dans le Coran, et vont s'abstenir, parce qu'aujourd'hui, les gens veulent connaître les raisons, veulent connaître pourquoi cela. Surtout que nous sommes confrontés à beaucoup d'autres façons de faire et d'autres manières de vivre. Par exemple, chez nos frères les hindous, ils sont végétariens. Et leur prétexte, c'est que les animaux, tous animaux confondus, ce sont des êtres avec émotion, avec sentiment, à qui s'occupent de leurs enfants. Et les tuer pour manger, c'est un peu comme une petite meurtre. Donc, c'est de leur manière de voir. Et voilà pourquoi ils préfèrent manger seulement les légumes. Bon, mais on peut aussi dire que même les plantes sont des êtres vivants. Oui. Donc, cela ne justifie pas cela. La technologie moderne permet de vérifier beaucoup de choses. Déjà, première raison pour laquelle les musulmans ne mangent pas le porc, c'est que Allah SWT l'avait interdit dans le Coran. Et dans le Coran, où Allah SWT a interdit le porc, les raisons que nous allons donner aujourd'hui n'auront pas eu de sens il y a de cela 1400 ans. Parce que l'évolution scientifique et technologique que nous avons aujourd'hui, les mots qu'on allait même utiliser n'existaient pas à l'époque. Alors Allah SWT, vu le degré simple de la réflexion de ceux qui recevaient le livre, il s'est contenté seulement d'interdire. Mais vous constaterez qu'il n'a pas, par exemple, interdit le caca. Oui. Parce qu'il savait qu'eux, à leur niveau, pouvaient déjà savoir que ça, c'est mauvais.
Donc, on n'a pas besoin de l'aide. Mais pour le cas du porc, ça pouvait être... Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, dans surat Maïda, verset 88, il dit, « Wakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban. » Manger, donc consommer. Parce que quand on dit « kulu » ici, bon, comme on parle de porc, on va dire « manger ». Mais par ailleurs, quand on dit souvent « kulu », ça veut dire « consommer », d'une manière générale. Consommer ou manger de ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a enrichi avec, razaqakum Allah, il a enrichi avec, halalan, ça veut dire que permis. Donc parmi les choses qui ont été aidées, il y a le porc, il y a le sang, et ce qui a été immolé sans mentionner le nom d'Allah. Ça c'est interdit. Mais ça ne veut pas dire que, bon, si ce n'est pas interdit, on va toujours consommer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaissait que le progrès scientifique va venir et que par nous-mêmes, nous allons découvrir qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes à consommer. Alors voilà pourquoi il dit « halalan tayyiban ». Donc en plus, ça doit être bien à consommer. Donc aujourd'hui, il y a certains additifs alimentaires qui nuisent à la santé clairement. Et là aussi, le musulman ayant connu ça aujourd'hui, si on connaît que telle chose donne le cancer, telle chose donne telle chose, on ne va pas le consommer. Mais comme ça ne fait pas partie de ce qui était interdit à l'époque, celui-là est mauvais. C'est-à-dire, ça ne correspond pas la caractéristique de tayyiban, mais c'est permis. Donc il faut que cette nuance soit faite. Alors, on a dit dans un autre verset, juste pour appuyer, il dit, « Ya ayyuhannas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. » Encore. « Ya ayyuhannas », ça veut dire que toute l'humanité. Donc, nous comprenons que ça ne s'adresse pas seulement aux musulmans ou aux croyants. Parfois, il dit, « Ya ayyuhallazina amanu » ou sur les croyants. Ici, il dit, « Ya ayyuhannas », donc toute l'humanité, homme comme djinn. Ils sont appelés à respecter cette interdiction, à demander de consommer que ce qui est permis, halalan, et tayyiban, qui est bon. Voilà, tatabi ou khutwati shaitan. Et ne suivez pas le pas de Satan. Donc, le fait de ne pas respecter ces injonctions équivaut à suivre les pas de Satan. Et nous comprenons donc que certains de nos frères musulmans, qui parfois trouvent un bélier, qui sont bergers, ils vont trouver une vache qui, par maladie, meurt. Et au lieu de jeter le cadavre, de brûler le cadavre au cas où ça soit une maladie contagieuse, ils préfèrent donner à leurs amis non-musulmans. Bon, et pour les amis non-musulmans, ils disent que voilà la fête. Mais cet animal n'a pas été égorgé convenablement, donc elle est interdite. Et elle est interdite pas seulement pour lui, le musulman, mais pour le non-musulman aussi. Alors, si le fait que lui, le non-musulman, ne voit pas cela comme interdit, mais c'est vous, le musulman, qui donnez. Je demande à certains de mes frères, si vous allez dans un village où les gens sont tellement primitifs et reculés qu'ils consomment le caca, est-ce que vous allez les donner votre propre caca pour qu'ils consomment, que la plupart me disent non. Donc si on voyait que ces choses-là sont vraiment interdites parce que c'est mauvais pour nous, nous n'allons pas donner à quelqu'un d'autre ce que nous-mêmes, nous ne mangeons pas. D'accord. Imam, ici, pourquoi Allah avait décidé d'interdire la consommation du porc? Est-ce qu'il y avait des raisons particulières? Wow, bon, pour des raisons particulières, pourquoi elle a interdit le porc, la première raison que je veux donner, pour pouvoir donner ces raisons, il faut que je rappelle aux téléspectateurs l'état actuel de la technologie. Aujourd'hui, la technologie a permis de créer les animaux hybrides. Ça veut dire, quand je dis animal, ça veut dire qu'on mélange la chèvre et le mouton pour fabriquer un nouveau animal qui n'a jamais existé, à laquelle on a donné un nom et qu'on a breveté l'invention. On a aussi fait la même chose avec la vache domestique et le bison, qu'on a créé un nouveau animal qu'ils ont appelé en anglais bifalo, qui est différent de buffalo. On a fait la même chose entre le tigre et le lion, et on a créé un nouveau animal qu'on appelle l'aiga, qui n'est ni tigre ni lion, et ainsi de suite. Donc, si aujourd'hui nous avons déjà cette technologie, cette capacité de fabriquer de nouveaux animaux, Allah subhanahu wa ta'ala nous signale que ceux qui étaient avant nous étaient plus avancés en technologie. La preuve, c'est que nous avons des pyramides et beaucoup de vestiges qu'aujourd'hui nous ne saurions les construire. Lorsqu'on voit les pyramides avec des pierres qui pèsent 70 tonnes, aujourd'hui nous n'avons aucun gru ou matériel de construction qui peut porter de tels poids. Donc c'est clair que ceux-là étaient plus avancés que nous. Et Allah se dit cela dans le Coran, dans le verset où Awalam Tashiru fi ard, que vous n'avez pas parcouru la terre pour voir le sort de ceux qui ont vécu après vous. Donc, il y a donc cette possibilité. Le fait que ça existe aujourd'hui est une indication que ceux d'avant nous sont partis plus loin
sur ce chemin-là. Donc, il faut qu'on comprenne le principe de l'interdiction ici. Nous allons être basés sur le fait que nous sommes tous d'accord que consommer la chair humaine, c'est interdit. Parce que ça, on n'a pas besoin de révélation pour ça. Alors maintenant, nous allons évaluer les autres animaux qui sont interdits en fonction de leur proximité avec les êtres humains. Dans la taxonomie, dans la classification biologique des espèces, si on prend par exemple le mouton, le cochon et l'être humain, et on essaie de descendre l'échelle pour voir qu'est-ce qui est plus proche. En forme de royaume, tous les trois sont dans le royaume animal. Et lorsqu'on parle des classes, c'est une autre sous-classification de trucs, et ils ont tous des mammifères, ça veut dire qu'ils nourrissent leurs enfants avec le lait. Donc, tous les trois sont dans la même catégorie. Si on parle de l'ordre, ça veut dire c'est une autre sous-classification, là qu'on décerne par le mode alimentaire, on voit que l'être humain consomme à la fois la viande et les légumes. Et pour ceux, nos frères hindous qui disent que nous sommes barbares, il faut voir déjà que la dentition de l'être humain a la canine. Et la canine, c'est la dent qui permet de déchirer la viande. Chez le lion qui est carnivore, la canine est très longue et très tranchante. Chez le mouton, il n'y en a même pas. Parce que lui, il est fait pour consommer les herbes. Mais chez les êtres humains, il y a la canine. Parce qu'il est omnivore. Ça veut dire qu'il consomme à la fois la viande et les légumes. De même que le cochon. Et le mouton, lui, il est herbivore. Donc, vous voyez, le cochon est beaucoup plus près de nous que les autres. D'accord. Si on trace la ligne rien que là-bas, on voit déjà pourquoi le cochon, le gorille, le singe et tous les autres omnivores, nous n'allons pas consommer. Bon, maintenant, ça va plus loin. J'ai parlé de la technologie tout à l'heure. Ça s'avère que certaines recherches ont démontré clairement l'origine même dans le temps historique très long, parce qu'il faut comprendre que l'histoire de la Terre n'est pas ce que nous avons dans les écoles de 5000 ans. L'histoire de la Terre est vieux de 60 millions d'années. Et il y a eu des civilisations qui ont été complètement anéanties, telles qu'Atlantis, Lemuria et beaucoup d'autres, qui ne figurent même pas sur les livres historiques. Alors, vu l'aspect évolué de ceux qui sont envers nous, il y en a donc qui ont décidé, pour des raisons propres à eux, de faire un hybride, comme on fait les hybrides aujourd'hui, mais entre le phacochère, donc vous voyez donc cet animal dont je parlais, entre le phacochère sauvage et l'être humain. C'est pour ça que certains instituts de recherche chinois, MG1, je crois que c'est le nom, a déterminé que la petite espèce de cochon de laboratoire qu'ils étaient en train d'utiliser était à 94% similaire à l'être humain. Ça veut dire que sur le plan génétique, cette petite espèce de cochon qu'on utilisait dans les laboratoires était 94% humain. Et si nous voyons les autres espèces de cochons qu'on a vérifiées en Europe et un peu partout qui ont une plus grande taille, nous constatons que certains sont 94% similaire à l'être humain sur le plan génétique. Ça veut dire que c'est lui donc qui consomme le cochon et en train d'être cannibale à 94%. Donc, voyez donc, nos prédécesseurs, autant il y a des islamiques 400 ans, génétique, tout ça là, ce sont des mots qui n'existaient pas. Mais aujourd'hui, nous connaissons cela. Et en plus de cela, il y a des signes qui sont palpables pour le commun des mortels. Le cochon, c'est le seul animal qui a des couleurs des yeux différentes. Le cochon, c'est le seul animal qui a des couleurs de peau différentes. La plupart des autres animaux ont des différentes couleurs par rapport à leur fourrure. Mais la peau qui est en dessous, c'est la même couleur. Okay. Mais pour le cochon, il y a celui qui est noir, il y a celui qui est brun, il y a celui qui est ceci, cela. Okay. C'est-à-dire en dessous des poils. Donc ça, c'est caractéristique de l'être humain. Le cochon, c'est le seul animal qui a une couche de graisse sous-cutanée. Ça veut dire que la viande du porc ou encore le porc se rapproche de l'être humain. Oui, et les raisons ne finissent pas là. Au XVIIIe siècle, c'est le cochon qu'on utilisait pour entraîner l'armée dans le combat. Parce que le positionnement de tous les organes internes sont exactement sur la même place que sur l'être humain. Donc si on veut apprendre à un soldat ou piquer pour tuer, ou piquer pour blesser, c'est sur le cochon qu'on fait. Aujourd'hui, c'est sur le cochon qu'on... Si on prend, par exemple, l'insuline de pancréas de cochon, pour donner ça à un être humain, on n'a pas besoin de transformation quelconque.
On peut prendre une greffe et la valve de cœur de cochon transplanté sur l'être humain directement. Parce qu'il est à 94% humain. Alors qu'on ne peut pas faire la même chose pour, ni pour le gorille, ni pour le chimpanzé et tous ces autres animaux-là. Donc en réalité, le cochon, pourquoi là c'est interdit? Et il y a toutes ces raisons-là que le cochon est presque humain. Et j'ai expliqué pourquoi cela, à cause de cette hybridisation que nos prédécesseurs ont eu à faire il y a de cela des milliers d'années. Donc ça veut donc dire que si vous nous recevez à la maison, actuellement on vous demandera pourquoi est-ce que le musulman ne mange pas la viande du porc. Il sera très facile pour vous de dire peut-être que c'est parce qu'il y a une ressemblance entre cet animal-là et l'être humain. Comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait? C'est dans ce reportage que signe Alit Mama. La vie du prophète, c'est maintenant et tout de suite. Assalamu alaikum, fidèles téléspectateurs, bienvenue sur DBS Télévision dans son émission La Voix de l'Islam. Cette semaine, nous parlons de l'interdiction de la viande de porc en islam. À ce sujet, Allah dit dans le noble Coran, Sourate Al-Ma'ida, la table servie, donc le chapitre 5 et verset 3, « Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous avez égorgée avant qu'elle ne soit morte. » Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches, car cela est perversité. Dans un autre anglais, le Très-Haut dit encore, dans la sourate Al-Baqarah, la vache, chapitre 2 et verset 173, « Certes, Allah vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et vous interdit aussi tout animal égorgé au nom d'un autre qu'Allah. Vous sont interdits ce qui a été égorgé sur les statues. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, en cas de famine, sans toutefois abuser ni transgresser et prendre la part de l'autre. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. » À propos du verset susmentionné, Ibn Kassir, qu'Allah l'agré, a dit « Ce qui est destiné à un autre qu'Allah, c'est ce qui est égorgé avec la mention d'un autre nom que celui du Très-Haut, comme les monuments, les idoles, les flèches, entre autres choses en faveur desquelles les gens consacraient les offrandes animales. » Dans son explication du verset 3 de la sourate 5, Ibn Kassir, qu'Allah l'agré, dit « Les propos « ce qui a été destiné à un autre qu'Allah » signifient que ce qui a été égorgé avec la mention du nom d'un autre qu'Allah est interdit de consommation. » En effet, Allah le Très-Haut a prescrit les créatures à égorger avec la mention de son grand nom. Si l'on s'écarte de cette prescription et mentionne le nom d'un autre comme idole, un démon, une statue ou d'autres choses créées, l'acte devient unanimement interdit. Les propos « ce qui a été égorgé sur les statues » sont commentés par Mujahid et Ibn Jarir en ces termes. Les statues étaient constituées des pierres dressées autour de la Kaaba. Ibn Jarir ajoute, elles étaient au nombre de 360 statuettes auprès desquelles les Arabes de l'époque anti-islamique égorgeaient leurs sacrifices, déployaient la viande et l'exposaient sur les statuettes. C'est pourquoi Allah interdit ce comportement aux croyants et leur défend en plus de consommer la viande des animaux égorgés auprès des statuettes, même avec la mention du nom d'Allah au moment d'égorger. Car le fait d'égorger auprès des statuettes relève du shirk, à savoir le polythéisme prohibé par Allah et son messager. Les juristes islamiques ont ainsi classé les aliments en quatre catégories. Le halal, à savoir le licite, le haram, à savoir l'interdit, le mubah, à savoir le permis, et le makruh, à savoir le licite mais le répugnant. Qu'Allah nous facilite la consommation du halal. Alit Mama a signé ce reportage. Imam, pourquoi accepter la consommation des autres aliments ou encore d'autres animaux? Pourtant, nous interdisons la consommation du porc. Par exemple, on voit les musulmans qui mangent le bélier, qui mangent la viande, le poulet, tous ces animaux-là ou bien encore toutes ces viandes-là. Pourquoi interdire la consommation du porc? Bon, je viens d'expliquer déjà la proximité du cochon à l'être humain par rapport aux autres. Mais il devrait nos frères
introduit que mais les autres là, parce que souvent si vous êtes un peu sensible, vous voyez une vache comment elle s'occupe de son bébé, comment bon, c'est difficile de penser que est-ce qu'il faut la tuer. Donc il y a cet aspect sentimental. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit inna ma haramna alaykum al-maytata wa damma wa lahma al-khinzil. Il a interdit pour nous ce qui est tué, qui est mort. Sans que ça ne... Et on inclut dans cela aussi ce qui a été égorgé au nom d'un autre, comme on vient de dire, et ainsi que la viande du porc. Bon. Il y a un berger au sud d'Amérique, dans les États-Unis, qui a fait quelque chose jusqu'à publier ces vidéos-là sur Internet. Et moi, j'ai essayé ici, là, et je vois que ça marche. Il a prouvé que lorsque vous placez l'animal par terre, et vous prononcez « Bismillah, Allahu Akbar », l'animal cesse de se battre. Elle se laisse faire. Elle sait que maintenant, c'est une des voies pour lesquelles on l'avait créée. Elle se laisse faire. À ce moment-là, ce n'est plus le meurtre. Parce que le meurtre, c'est quand vous tuez quelqu'un qui ne veut pas mourir. Mais lorsque quelqu'un se laisse déjà, ça c'est, même chez les humains, il y a des pratiques en Europe ou des pays où on permet à ce que certaines personnes qui sont très malades de demander au médecin de mettre fin à leur vie. Là, on ne va pas dire que le médecin a... tuer la personne, c'est l'euthanasie. Donc il a soulevé et soulagé la souffrance. Donc lorsque l'animal elle-même veut qu'on prenne, là c'est autre chose. Donc ça enlève donc ce côté cruauté qu'on est en train de dire. Et aussi il faut comprendre que le corps humain que nous sommes en train de nourrir, c'est pas seulement la chair. Parce qu'il y a certains corps de l'armée française, par exemple, qui ne vont pas comprendre que s'il y a un musulman parmi eux et qui refuse de manger le porc parce qu'on se dit que non, on doit manger pour pouvoir avoir la force de combattre. Manger pour nourrir quel corps? Parce que notre corps, comme vous voyez, c'est un corps composite. Nous avons le corps physique qui est en réalité juste un habit pour habiller notre vie ici sur Terre et qu'on va abandonner ça dans la tombe et continuer la vie. Et il y a le corps éthérique que d'autres appellent souvent l'âme. Et il y a le corps mental qui est enraciné dans le cerveau, mais ça occupe aussi tout le reste du corps, y compris le champ énergétique éthérique autour du corps. Et il y a l'esprit qui est le commandant de tout ceci. Et lorsque nous mangeons, nous nourrissons tous ces corps. Alors, la façon dont le type d'animal qu'on a mangé, on a pris quelque chose qui est très proche à l'être humain, ça va plutôt nuire, ça va plutôt souiller. Surtout les autres corps, les corps subtils. Nous n'en parlons pas de ce qu'on va manger, par exemple, qui va nuire au corps mental, tel que les trucs intoxifiants, tel que l'alcool, la cocaïne et autres. Là, c'est du poison pour le corps mental. Et c'est pour cela qu'on a assimilé ça avec l'alcool. Donc, il y a l'esprit qui est le commandant, veille à ce que le corps soit nourri sur tous ses aspects. Et pour que le corps soit nourri sur tous ses aspects, il faut que nous respectons pas seulement la chair, la matière qui est dedans, mais aussi l'énergie qui est derrière. Parce que nous sommes tous, toute chose que vous voyez a une forme énergétique sur laquelle la matière est bâtie. Et la forme énergétique... Si c'est déformé, ça finit par déformer la matière. C'est comme ça que vous voyez certains des traitements de nos frères chinois, comme l'acupuncture ou autre. Ce n'est pas le corps physique qui traite, c'est le corps énergétique. Là où ils piquent les aiguilles, c'est dans les nœuds de passage d'énergie dans le corps. Et nous voyons l'effet que, une fois qu'on a enlevé le mal sur le corps énergétique éthérique, le mal qui se trouve sur le corps physique disparaît. Donc, on mange le cochon et on ne mange pas les autres parce que l'autre animal, tel que la vache, le mouton, autres, sont égorgés convenablement. Ça ne nuit ni au corps physique, ni au corps éthérique, ni au corps mental, ni à l'esprit. Alors que pour le cochon, ce n'est pas le cas pour les raisons que je viens de vous évoquer. Ce n'est pas pour rien que vous voyez l'autre interdiction qu'Allah n'a même pas mentionné dans le Coran, parce qu'il n'y a aucun verset où il dit que le caca est interdit. Quand vous voyez les gens qui font le secte parfois, et ils vont consulter Satan parce qu'ils veulent devenir riches pour avoir le pouvoir, une des choses parfois qu'on les demande de faire, c'est de consommer leur propre caca. Parce qu'on veut qu'il empoisonne son corps éthérique et tous les autres corps là pour se rabaisser, être plus bas devant ces esprits qui pourront donc complètement les dominer et les contrôler. D'accord. Donc la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de la limite de compréhension de l'être humain. Imam, ici, est-ce que c'est facile hein, pour les musulmans aujourd'hui de ne pas consommer le porc? Ah, voilà donc la grande difficulté aujourd'hui. Parce que lorsqu'on citait ce verset, il suffisait d'éviter le marché où on a égorgé le porc et le cochon pour vendre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus simple. Parce que déjà, il y a des choses dans les boîtes. Il y a les bandits qui vont peut-être mettre le cochon dans les boîtes et libérer que c'est la vache.
Il y a ce genre de choses qui va se passer si les musulmans n'ont pas un bon contrôle. Et il y a le fait que le porc est introduit dans beaucoup de choses que nous consommons. Par exemple, même certaines armes chimiques sont testées sur le cochon, parce que le cochon agit exactement comme l'être humain. La glace que nous consommons souvent, pour que ça ne fait pas, qu'il n'y ait pas de grains de sable à l'intérieur de la glace qui est fondue, on met souvent certains aspects de la gélatine du porc pour en lisser la chose, pour que ça soit lisse et que ça ne fond pas vite. Donc, il y a certains fertilisants qu'on utilise pour fertiliser le champ, mais là, comme on ne consomme pas, il n'y a pas un problème. Et il y a des personnes qui ne veulent pas avoir beaucoup de graisse, ils consomment dans le beurre qu'on a réduit des graisses. Mais ils oublient que quand on réduit la graisse, le produit devient un peu liquide, un peu comme la bouillie. Donc pour que ça devienne encore solide, de telle sorte qu'on peut mettre sur le pain, on ajoute certains éléments du porc pour augmenter la dureté de la texture. Il y a, par exemple, la bière, ben c'est déjà interdit, mais on éclaircit, parce que quand on fabrique, c'est un noyau, on veut que ça soit clair et cristal, afin que les gens puissent être attirés à consommer. On utilise les éléments du porc pour réagir contre les tanines et d'autres substances qui sont dans cette bière-là, pour le rendre clair. On l'utilise même pour assouplir les acides gras du porc, on l'utilise pour assouplir les linges, lorsqu'on est en train de laver. On fabrique avec les poils du porc certaines brosses qu'on utilise. Brosses à dents ou non, non, les brosses comme les brosses qu'on utilise pour faire la peinture. D'accord. Bon, vous allez dire que bon, c'est pas grave, on utilise pour faire la peinture sur le mur. Mais le problème, c'est que la maman qui braise le poisson dans le coin, c'est avec ces brosses-là qui met l'huile sur le poisson pendant qu'il est en train de braiser. Alors, et donc, là aussi, ça donne donc l'inquiétude. Et il y a les jus de fruits qui sont éclaircis pour que ça soit cristal et clair, de la même manière qu'on a fait avec la bière. Et cette fois-ci, ça fait problème parce que le jus de fruits, le musulman en consomme. Il y a les shampoings. Pour que les cheveux soient brillants et cristal, et comme de la perle, on utilise des éléments sortis de l'ossement du porc pour pouvoir ajouter au shampoing pour donner cet effet-là. Et on prend certaines substances qu'on produit à base des poils de porc pour adoucir la pâte dans la pâtisserie, lorsqu'on est en train de faire le pain. Et aussi, certains balles, on utilise la gélatine de porc, certains médicaments qui sont sous forme de gélules. Mmh. Alors ces gélules-là, on a fabriqué ça avec la gélatine de porc. Quand vous voyez E441 sur l'emballage, sachez que ça vient du porc. Parce que souvent, eux, ils sont malins. Ils ne vont pas écrire le porc là-dedans parce qu'ils savent que les musulmans ne vont pas acheter. On dit que, bon, liste d'ingrédients, E441. Bon, la plupart des gens qui ne sont ni nutritionnistes, ne vont pas savoir que là, il s'agit tout simplement du porc. Et la plupart des rouges à lèvres, c'est avec le porc qu'on rend cela paisible. Les rouges que nous, les femmes, mettons. Voilà, voilà pour mettre les fards et les clignotants. Oui. c'est avec le porc qu'on le fabrique. Certains tam-tams que les gens frappent, c'est avec la vessie du porc qu'on le fabrique. Et même le papier, on le durcit et arrange sa structure pour que ça ne se déchire pas facilement avec des éléments qu'on extrait du porc. Il y a un médicament qu'on appelle héparine qui amène à empêcher le sang de coaguler facilement. Mmh. Lorsque quelqu'un a un problème de maladie qui fait coaguler le sang, qui bloque certains vaisseaux sanguins et autres. Bon, médicament-là est fabriqué à partir du sang du porc. Il y a certains savons qui sont durcis avec les éléments sortis du porc. Même les bouchons de certaines bouteilles qui sont moules, qu'on met la vis pour sortir. Oui. C'est la gélatine de porc qui est l'élément qui coagule la poudre du bois qu'on a utilisé pour fabriquer cette substance. Et il y a l'insuline pour les diabétiques. Quand on ne l'a pas fabriqué artificiellement, l'insuline du porc est indiquée parce qu'on n'a pas besoin de transformation puisque le porc est déjà à 94% humain. Donc, lorsqu'on prend son insuline, on n'a pas besoin de passer à l'usine ou quoi que ce soit, on peut directement injecter sur l'être humain. Alors que les insulines produites, heureusement qu'aujourd'hui nous avons des procédés génétiques où on prend les bactéries, on arrive sur l'ADN, on insère la séquence qui va ordonner à la bactérie de produire plutôt l'insuline. Au lieu de ce qu'il a l'habitude de produire, c'est ça qui a permis une production massive. Donc si bien que dehors, c'est peut-être les riches seulement qui vont avoir accès à cette insuline directement extraite du porc. Et il y a certains yaourts
que c'est l'ossement du porc qu'on extrait des substances là-bas pour pouvoir rendre ce yaourt beaucoup plus agréable. La cigarette que les gens fument, qui est lui-même déjà interdit, on utilise le sang du porc pour absorber un peu de gaz monoxyde de carbone qui est dans ces cigarettes afin de diminuer sa nocivité sur l'organisme. Parce que vous voyez, dans nos poumons, lorsque nous prenons l'oxygène, ça se combine avec l'hémoglobine pour amener l'oxygène dans les tissus. Et là-bas, on prend le gaz carbonique pour amener vers les poumons et ça sort. Mais lorsque le monoxyde de carbone entre dans les poumons, ça se combine de manière irréversible avec l'hémoglobine pour fabriquer carboxyhémoglobine qui, à la longue, va créer l'anémie parce que la personne va commencer à manquer de sang en quelque sorte. Donc, il y a les films photographiques et même la nourriture du chien, on change la couleur pour rendre ça rouge avec le sang du porc. Et certains médicaments qu'on utilise pour régler des problèmes au niveau de rétine sont aussi faits avec les choses qui viennent du porc. Donc, vous voyez, donc, même les bonbons alcoolisés sont durcis avec la gélatine du porc. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu partout. Et donc, voilà. Ça veut donc dire que ici le musulman ne peut pas éviter de consommer le porc, ou bien il consomme cette viande-là, mais sans toutefois s'en rendre compte qu'il est en train de la consommer. Bon, le problème ici, c'est que les musulmans ne sont pas organisés. D'accord. Parce que dans certains pays tels que l'Australie, tels que l'Amérique, tels que l'Angleterre, les musulmans ont constitué un corps et ils ont des experts de toutes les disciplines. C'est-à-dire ici au Cameroun, si vous dites que je suis ingénieur pétrochimiste, ce n'est pas l'islam que vous avez appris. Alors qu'Allah Ousmane Farana Fikita Bimeshei, pour que la communauté la marche, il faut tous ces domaines-là. Là-bas en Angleterre, il n'y a pas ce problème. Donc il y a des groupes, des commissions faites par la communauté qui ont invité toutes les usines qui fabriquent des choses qu'on consomme, d'inviter ce groupe d'experts musulmans pour venir contrôler toute la chaîne de production à l'amont comme en aval, pour s'assurer qu'il n'y a rien de haram qui entre dans la production. Et lorsque cela est fait, on donne donc l'étiquette halal à cette personne qui a donc à toute liberté, peut rentrer dans le pays musulman, peut vendre à tout musulman. Si bien que la tâche pour le musulman qui entre dans le supermarché, là où c'est organisé, c'est de voir seulement si le biscuit ou les bonbons ou ceci ou le gélule que j'achète est à la cachette halal ou pas. Bon, là, c'est bien structuré. Ici, là, l'individu doit se débrouiller tant qu'il peut. Pour ne pas tomber dans la tentation. Voilà. Et étant donné le niveau de scolarité et tout, beaucoup entrent dans la piège sans le savoir. D'accord. Imam, qu'est-ce qui changera dans ce monde si tout le monde s'en donnait ou si tout le monde arrêtait la consommation du porc? Bon, nous savons qu'ici dans le monde, c'est le dérapage, c'est la perversité, c'est toutes ces choses-là qui font problème. Et une des sources de cette perversité, ce n'est pas seulement la cupidité pour l'argent, ce n'est pas le fait que l'esprit cherche le pouvoir, mais c'est surtout que le corps, les différents corps ont été endommagés. Lorsque vous endommagez, par exemple, le corps mental avec la drogue, cocaïne et autres, ça aboutit à des actes que nous allons condamner. Lorsque vous endommagez le corps physique avec des choses toxiques qui vont nuire à cet organisme, vous endommagez, et ça a des effets à l'échelle planétaire. Donc si les gens arrêtaient de consommer le porc, tous les aspects nocifs que la pollution du corps physique par le cannibalisme, du corps éthérique par le fait que nous avons été insouciants avec l'autrui, le corps mental par tout ce que cela peut apporter à l'esprit, tous ces différents dérapages de virement qui a été viré du droit chemin que cela pouvait apporter va disparaître, et je pense que nous allons avoir un monde où il y a plus d'amour fraternel, d'amour inconditionnel, où l'élévation spirituelle va être beaucoup plus va atteindre des hauteurs beaucoup plus hauts que ce que nous avons aujourd'hui. Et même pour vous, hein, le monde n'est pas ce qu'il aurait pu être. Vous pensez qu'il y a encore de fortes chances qu'on change ce monde-là? Ça c'est quand vous regardez, évidemment que vous êtes une chaîne de télévision, regardez le nombre de bombes qui explosent pour tuer des gens innocemment, regardez la situation où un pays prend son service secret, montre son service secret pour tuer 4000 personnes, descendre deux tours le 11 septembre parce qu'ils veulent mettre la main sur un gisement de plus de 3000 milliards de lithium en Afghanistan et autres. Pour ne citer que cela, c'est un monde qui est fou, où le matériel et le fait qu'on a dévié de la monnaie islamique,
et créer une monnaie fictive que certains gens peuvent imprimer et rendre le reste du monde esclave. Ça, ce n'est pas un monde idéal. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond. Et lorsque certaines personnes tentent de redresser cela, tel que Gaddafi, on les tue avec impunité. Il y a 22 chefs d'État africains qui ont été tués pour la seule raison qu'ils ont voulu se retirer leur peuple de l'esclavagisme économique. Donc, ça, ce n'est pas un monde vraiment qu'on souhaiterait que ça continue de la même manière. Mais nous sommes là, pas pour que le monde devienne un paradis, mais pour que nous œuvrons pour amener cela, parce qu'en le faisant, nous allons nous élever spirituellement. D'ici bien qu'après ça, nous allons récolter dans les fruits de ce que nous sommes en train de faire. Et même, quel est l'aspect nocif du port? Bon, l'aspect nocif, c'est que, un, ça montre la désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, et deux, ça pollue tous les différents corps de l'animal, du corps humain, le corps physique, le corps éthérique, le corps mental et l'esprit. Et une fois, un grand serviteur de Dieu, qu'on appelle Jésus, fils de Marie, il a trouvé des dirigeants religieux pervers, les pharisiens, les sadduciens et autres, qui avaient changé le temple pour faire de ça un endroit où on échangeait l'argent au lieu d'être un endroit où on prie Dieu, parmi tant d'autres choses. Et on lui posait donc des questions pièges pour essayer de lui ridiculiser. Il a eu à dire quelque chose. Lorsqu'on a trouvé ses disciples en train de récolter le blé pendant le sabbat, pour manger, de côté, de manière, juste pas de manière industrielle, juste un peu pour aller manger. On a commencé à critiquer que ça, c'est quelle qualité de prophète. On a bien dit dans la Torah de Moussa, alayhissalam, que travailler dans le sabbat, c'est interdit. Regarde comment ses disciples même sont en train de faire. Jésus, alayhissalam, il a dit, que lequel parmi vous va laisser son mouton dans le puits, parce qu'il est tombé dans le puits le sabbat, et la vérité, c'est personne. On a dit, et il a dit, ce n'est pas ce qu'on consomme qui suit la personne, mais c'est ce qui sort de l'organisme, qui sort de l'esprit, qui suit la personne. Alors, les disciples, les pharisiens sont venus un jour quand il était en public, on lui a posé la question du porc. Parce que comme je vous dis, même dans le livre des chrétiens, dans l'Ancien Testament, le porc est interdit. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas les choses deux fois. Donc, on lui a donc posé la question que, mais, si on consommait le porc, on se serait souillé, spirituellement parlant. Mais ça contredit votre parole que ce qui entre dans la bouche ne suit pas l'homme, mais c'est ce qui sort. Il a dit que non, ce n'est pas le fait d'avoir consommé le porc qui va vous souiller, mais c'est le fait d'avoir désobéi à Dieu qui avait interdit de connaître. Désobéissance est une décision qui émane de l'esprit, de l'intérieur pour sortir. Donc, lorsque quelqu'un entend qu'il ne faut pas consommer le porc, et il s'en va faire, c'est grave. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aussi connaît que dans certaines situations, dans le désert ou quelque part, quelqu'un peut être vraiment affamé dans la famine. Et la seule chose qui est, ce sont les cochons qui rôdent. La seule chose qui puisse exister comme nourriture, voilà, soit donc, le porc. Allah subhanahu wa ta'ala connaît très bien que bon, ouais, là, ça fait un problème. Tout comme parfois, nous pouvons consommer une nourriture qui est déjà un peu gâtée. Parce que nous savons que bon, ça va peut-être nous nuire, ça va nous donner la diarrhée, mais ça va peut-être aussi, ça va certainement nous garder en vie. Donc, dans ce genre de situation, ça va bien sûr polluer le corps, mais s'il est toujours en vie, il y a le temps de pouvoir remédier cela et nettoyer après. Donc, quand c'est dans ce genre de situation, la force majeure, comme on peut dire, la personne consomme. Mais quand on dit ça, il ne faut pas que la personne va maintenant griller, mettre de la tomate, parce qu'il est bien assaisonné. Voilà, donc il est en train de consommer ça comme quelqu'un qui est obligé de manger les caca parce qu'il n'y a rien d'autre. Vous allez voir, il ne va pas manger ça avec grand appétit ni avec enthousiasme. D'accord. Imam, nous sommes arrivés au thème de cette émission. Qu'est-ce que vous souhaiterez dire à ces personnes-là ou à ces musulmans-là qui consomment la viande du porc par ignorance? Vous allez regarder votre caméra. Ce que je dirais, c'est qu'il faut que nous montrons à Allah que nous prenons ces injonctions, ces interdictions au sérieux. Que clamer l'ignorance, qu'on ne cherche pas à remédier, n'est pas une solution. Ça veut dire que même si on est ignorant maintenant, mais Allah se montre à voir que nous sommes en train de fournir l'effort pour acquérir autant de savoir et de discernement que possible. À ce moment-là, il pourra nous pardonner ce que nous avons fait par ignorance. Mais si on choisit sciemment l'ignorance, on ne cherche pas à changer ce que nous avons choisi, donc de désobéir à Allah se montre à Allah. D'accord. Vous passez la salam à quelques personnes pour Alhamdoulilah, toute la communauté musulmane du monde entier. D'accord. Et tous les croyants, pas seulement ceux qui sont les musulmans, mais tous les croyants du monde entier, je les dis assalamu alaikum wa rahmatullah. Et je dois avouer que c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est pour moi, madame.
D'accord. Allez, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de votre programme hebdomadaire La Voix de l'Islam. Une grosse équipe s'est mobilisée pour vous donner le meilleur de celle-ci. À la post-production, Jires Ndé, diffusion Yann Aristide, Minty à la cabine sonore, Nicolas Olomo derrière ses caméras, Constantin Nundomki et celui-là qui nous fait le plaisir de réaliser ce programme, McDonald Tombo. On se retrouve vendredi prochain lorsqu'il sera 21h. D'ici à là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.